Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour la suite de Overlord. Nous sommes de plus en plus un seigneur des ténèbres. Regardez notre tour. Elle est stylée. Bienvenue. Regardez notre bouffon. Il est toujours frappé. Et regardez-moi ces bitches et cette bitches, et voilà. Donc nous allons nous lancer, je vais faire une petite ellipse, je vais partir me promener. Je vais retourner au village des Alphelins pour vérifier qu'il n'y aurait pas quelques bitches qui m'auraient échappé. Je reviens tout de suite. Les gars, chopez-la! Alors vous remarquez, je viens de trouver justement une bitches qui se planquait ici. Et elle me fait « Je ne vous tente pas !» T'aurais jamais dû dire ça. Alors, pourquoi je passe par ici? Eh bien, il semblerait quand même que... En fait, là, en ce moment, j'essaye d'atteindre la flotte. Enfin, la zone de flotte où je peux récupérer... Bon, cassez-moi tout ça, ouais. Déjà. Récupérer de l'or pour moi. Bien qu'on n'avait pas récupéré l'or ici. Allez hop, on y va. Donc voilà, maintenant normalement ils ont mis les bitchis, enfin la bitchis qu'ils viennent de trouver dans le machin. Je n'ai absolument aucune idée de comment je vais pouvoir récupérer la pierre qui est dans l'eau ici au début. Sans la voyant, je me suis dit merde, on l'a oublié. Je ne sais plus comment faire pour passer dans l'eau. Voilà, ils sont revenus eux deux. Allez, suivez-moi. La vérité doit être ailleurs. Moi et mes larbins, on a quand même du boulot, hein. Faut pas croire. Hein. On n'est pas là parce que. On est pas là parce qu'on en a envie, on est là par obligation. Bon les gars, vous voulez pas aller dans l'eau, c'est sûr? Non. Et là, vous voulez pas aller dans l'eau? Elle est bonne, non? Regarde, on peut y aller, là. Non? Non! Putain de larbin. Allez, cassez-moi tout ça. Trouvez-vous, je sais pas, moi, un petit set d'armure de cuir. Alors... Oui, les larbins peuvent... Enfin, les larbins magiques et tout peuvent trouver des armures à leur taille. Le truc, c'est que c'est de la merde. C'est pas comme pour les larbins bruns qui peuvent choper des armures bien corsées. Ici non, mes larbins bleus, mes larbins rouges, ils prennent hein, parce que je le vois, je sais que je le vois, ils prennent parfois des petits trucs en des lanières en cuir qu'ils mettent sur leurs mains et sur leurs épaules. Ça les protège. Regardez, voilà, là. Le problème, c'est que je les envoie. Et là-bas, il y a un petit chemin, donc je vais vous le montrer, je l'ai trouvé. Et je me suis dit, ah, j'ai trouvé le pouvoir. Sauf que non. Malheureusement, c'était juste une illusion. Voilà, j'étais passé par ici, j'ai dit, tiens. Regardez ça, un petit chemin qui mène tout droit vers le lac. Sauf que non, ça s'arrête ici. Il y a un mur invisible qui nous empêche de faire notre boulot. Mais derrière, là, il y a quelque chose. Sauf que je ne peux pas l'atteindre. On ne retrouve pas la tour, malade. Regardez, allez, là, ça vous voit. Là, il y a des trucs, il y a une tour, je ne rêve pas. Ces petites tourelles là. On peut y aller? Ou alors est-ce que je dois diriger mes larvins? Non, parce que c'est un mur invisible. On suit. Alors après, est-ce que je suis con et est-ce que genre on peut passer ici en bas? Non. C'est quand même pas possible. Si. Il y a bien un endroit dans ce bas monde où on peut passer à la flotte. Bon, je vais continuer mes recherches, hein, voilà, avec mes larmes ici.
Voilà, je leur apprends le respect, hein, parce que si vous leur apprenez pas le respect aux larbins, après c'est foutu, hein. C'est comme les chats, hein, une fois, si tu leur apprends pas à pisser dans, comment, dans la litière dès le début, c'est foutu, donc voilà, ellipse jusqu'à ce que je trouve un moyen d'aller dans la flotte. Ah, je suis tout excitée. Non, 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 t'es pas là-dedans. C'est une tentatrice, chopez-la. Donc voilà, ici, il y avait une femme qui criait « Je ne vous tente pas, je suis tout excité. » Et ensuite, il y a... Ben, qu'est-ce que vous foutez? Quoi? Ah d'accord. C'est donc à ça que sert le petit chemin. Bon, allez-y. Donc voilà, j'ai trouvé ce chemin. Juste, enfin, si vous vous posez la question... le village, enfin le premier truc d'Alphelin, la première forteresse d'Alphelin qu'on attaque, c'est juste à côté. Donc il ne nous reste plus qu'une bitchy, elle doit être au village d'Alphelin, ou sur le chemin du moins. Et on ira voir par après. Mais bon, là j'en ai trouvé deux, je suis content. J'ai Facebook qui se ramène. Et c'est juste que je ne voulais pas faire ça sans vous. Parce que du coup ça va sans doute augmenter la taille de mes troupes. En attendant je vais quand même faire un tour dans l'eau pour vérifier qu'il n'y a pas des objets cachés. Ou un chemin vers une beaches, on sait jamais. C'est la beaches aquatique. Surtout que ici il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis entre guillemets. Parce que c'est ce qui m'inquiète, c'est que je vais devoir envoyer ces putains de larvins. Sur le terrain. Pour rappel, ces larbins sont nuls au combat. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Est-ce que je peux augmenter ma taille d'unité? Vous pouvez contrôler davantage de larbins. C'est bien ça. J'aime les larbins. Enfin, j'aime avoir beaucoup de larbins. Beaucoup de larbins. Regardez, regardez. Ils l'ont fait, hein. Ils ont récupéré des items, regardez. Ici, ils ont des ceintures. Enfin, le premier de la ligne ici, il a une ceinture, lui. Ils ont des trucs aux chevilles et tout ça. Ils avaient pas ça avant. Ils ont des petites lanières de cuir. Et ça c'est juste parce que j'aurais fait péter quelques tonneaux. Voilà, ils trouvent quand même de quoi s'équiper et augmenter leur puissance d'attaque et de défense. Mais ça reste plus médiocre parce que mes brins là. Voilà. Voilà, ça c'est un larbin. Voilà. Alors, ils sont, les brins. Ça c'est un larbin équipé, ça. Voilà. Enfin, il est pas en, là il est juste équipé d'une pioche et d'un casque, mais ça reste un larbin équipé. Voilà les gars. Tous choisis. Alors on va aller se promener dans le village. Bon, attendez d'abord. Tous. Non, sortez. Voilà, 25 maintenant. Donc, je vous laisse, je vais chercher une bitchie. Ellipse. Alors, vous voyez le bon matin. Moi, ce que j'ai. C'est aller dans le village, tu vois. Quand quel des gens ne m'obéissent pas. Voilà, là ils m'obéissent, tu vois, là c'est le respect. Tu vois mon petit Billy, ça le respect, ça j'aime. Vous devez sans doute vous demander pourquoi est-ce qu'il continue obstinément piller ce village pour remettre des armures sur 25 brins alors qu'il ne pourra pas en transporter 25 étant donné qu'il va devoir faire des parts égales pour quand même avoir des bleus, des rouges et des verts. Pour la simple et unique raison, les amis, que lorsque je vais réinvoquer des brins, s'ils sont pas armés avec des armures et tout ça, c'est moins intéressant. Parce que du coup, faut les rééquiper à chaque fois. Alors que quand je vais les renvoyer dans le trou, l'équipement reste. Pitié! Pitié! Par pitié! Et surtout, ça me fait tellement plaisir de voir tous ces paysans souffrir. Je suis inoffensive, épargnez-moi. Oh oui, de toute façon j'ai déjà buté la moitié du village. L'autre moitié survivra pour l'instant. N'oubliez pas, il y a des bouts de rats hein, si vous en voulez. Ça peut servir pour vous faire des jolies petites tuniques. Heureux. Donc, je viens d'aller voir une soluce parce que c'était bizarre. Je ne sais pas où trouver la 10e servante. Et il semblerait. Alors, je vais choper. Vite fait. Voilà, regardez comme ils sont stylés maintenant. Voilà, là c'est une vraie troupe.
Alors, il semblerait que normalement, quand je récupère la numéro... Je sais pas pourquoi vous passez par là. Quand je récupère la numéro 9, une bande de villageois m'attaque. Sauf que, vous l'avez vu comme moi, j'ai récupéré cette numéro 9 qui était ici. Je n'ai eu absolument aucun problème. Du coup, je suppose... Je suppose que si je me balade avec mes larbins, un jour ou l'autre, ils vont finir par me tomber dessus. Aux alentours, hein, parce que... Vraiment, hein, c'est ce que j'ai trouvé. Une fois que t'as la numéro 9, il te trigger. Il s'était écrit, une fois que vous avez la 9ème servante, pendant que vous la transportez jusqu'au point, des villageois vous tendent une embuscade avec la dernière serviteuse. Sauf que moi, je l'ai pas eu. Donc, c'est bugué. Alors, à moins que... Attends, je peux quand même vérifier mes quêtes. Est-ce que je peux vérifier ça? Capturer 10 servantes, voir toutes les quêtes. Voilà, j'en ai 9 sur 10. What the fuck? Alors après, peut-être que c'est un truc du genre, oui, mais les 9 servantes, tu ne peux les avoir que si tu... Comment? Tu es dans une zone particulière du jeu. Ben, on va essayer, on va te balader. Hein. Parce que c'est un peu chiant, quoi. C'est un bug qui t'empêche de finir une quête. Qui est pourtant... Moi, j'aime bien. Vous savez que j'aime bien récupérer les biniou. Et ces servantes, c'est des biniou. Du coup, maintenant que je sais que je peux en avoir 10, ben je veux mes 10, moi. Sont mes servantes. Alors, moi je suppose que il doit y avoir un endroit où il y a des villageois en colère qui m'attendent, du coup. Personne là. Eux ils sont pas en colère. Non. Si pas, j'arrête, hein. Enfin, je ne continue pas la quête si j'ai bugué le jeu. En étant... Ah. T'as un villageois en colère? Et là, t'es en colère? Si encore au moins c'était clair, quoi. Parce que là, du coup, j'ai la quête en mode, oui, vous avez besoin de 10 serveuses, mais, enfin 10 serviteurs, mais personne ne m'attaque et la serviteur n'est pas là. Alors eux ils m'énervent à chaque fois que je rentre au village. Alors vous êtes énervés? Allez chercher les garçons. Hey, c'est pas gentil. J'en ai assez de vous. Et là, je vous énerve. Et là, vous prenez un de mes larbins en embuscade. Vous n'avez pas honte de grands garçons comme vous. Bah, maintenant, cassez ça. On continue le pillage du village, hein. Tant que vous n'êtes pas assez énervé pour... Bon, ça suffit. Ah, mais le mec, il m'a dit, bon, il s'est levé en mode, bon, ça suffit. Non à l'oppression. L'oppression? Je sais même pas ce que c'est l'oppression. Voilà. Alors, vous êtes fiers? Vous êtes fiers de vous, bande de lâches? Alors, j'en remarque un truc. Depuis qu'ils sont plus pauvres, maintenant il y a de plus en plus de trucs de poissons. Et surtout quand j'avais été tout près du boucher, je me rappelle, au début du jeu, le boucher avait quand même de la viande de qualité, c'était du bœuf et du cochon, je m'en souviens. Et là, c'est du rat. Parce qu'ici avant il y avait un mouton, mais je pense que je tue tellement de moutons que le jeu a décidé que, du coup, le village... Alors, vous avez besoin de quelque chose ici? Ouais, voilà, t'es content, t'as trouvé un casque. Voilà. Mes larbins sont suréquipés.
Rappelez vos créatures. Mes créatures, faut pas les rappeler, malheureusement, c'est... Elles sont collées. Alors, du coup, je pose la question aux gens qui regardent le Let's Play. Est-ce que je suis Keblo avec 9 serviteuses au lieu de 10? Parce que moi, du coup, je vais aller au... La dernière fois, on avait récupéré le larbin d'eau. Vous savez. Si vous suivez le Let's Play, normalement, c'est le moment où vous vous dites « Oui, on sait, des villes. » Du coup, avec le larbin d'eau, j'ai récupéré de quoi avoir 25 larbins. 25 larbins, c'est bien. Mais j'étais en quête avant d'aller voir les zombies. J'avais ma quête de « On va buter le roi des elfes ». Quête que, normalement, voilà, tu fais, mais après les trucs d'eau. Donc, je suppose que si je bute les elfes avant, ça devrait m'apporter un avantage tactique très certain. Parce que du coup, mes larbins seront sans doute beaucoup plus puissants, et moi aussi, pour affronter les zombies. Bon, déjà, on va remettre... tous les larbins là-dedans. Voilà. D'abord... on en a 25, du coup, on peut en prendre... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10... 1, 2, 3, parce que je suis pas sûr qu'on aura du feu ici. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, parce que ça on en aura besoin. Et vu que j'étais un peu bâclé, on reprend 5 larbins normaux. Et ça devrait le faire. Ramène ça à la vie. Pendant que je discute avec monsieur. Bon, tu l'as pas ramené à la vie, le bleu? Il a rien ramené à la vie. Ok, ce con n'a pas ramené ce que je voulais à la vie. Je me rappelle bien, il va falloir que j'aille dans la flotte. Et le reste, vous êtes avec moi. Là, je vous contrôle et vous ne suivez même pas mes directives. Là. Regardez, ça c'est chiant. Je joue du joystick. Ah, parce que je dirige les verts. Allez, hop, les bleus. C'est bon, l'or, je l'ai pris. Bon, ok, on va suivre la rivière. On tombe sur rien. On ne tombe sur rien. Très bien, les gars. Pourquoi j'ai cet angle de vue, mais bon, c'est pas grave. Tous, j'en ai 24 sur 24, ça ne va pas du tout. On reprend un bleu et on y va.
Tu vas foutre la paix à mes soucis. Eh oui. On suit les gars, on se dépêche, s'il vous plaît. Pour rappel, il y a des je suppose des kobolds. Je peux me tromper. J'ai l'impression de rien diriger du tout, hein, les gars, on se calme. Vous butez Kobold, voilà. Une fois que Kobold est buté, vous viendrez vers moi et vous butez Kobold, voilà. N'oubliez pas récupérer truc sur Kobold, parfois ça peut être bon. Des bons os humains, ça peut être utile comme arme. Si mes souvenirs sont bons, on était allé par là et on avait découvert qu'on ne pouvait pas aller plus loin parce qu'il y avait de l'eau. Si on se souvient bien, c'était ici. Et il disait nia des larbins, nia de l'eau, nia. Bon allez les gars. Ce qu'il va falloir faire surtout c'est dire. Non revenez. Bande de cons. Qu'est-ce que vous comptiez faire? Mais on voulait attaquer. J'ai dit attaquer. J'ai pas dit attaquer. J'ai dit les brins. Ici. Ici. Des verts. Et des bleus. Des blancs. Voilà le moment pour vous. Ça devient intéressant. Une fois que vous allez être dans l'eau, vous allez être confronté à la mort du crapaud. Voilà. Le souci, c'est ces crapauds énormes. Mes unités ne pourraient pas le supporter. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Je vous rappelle, on fait votre boulot là, les elfes. Hein. Oh. Je crois que nous avons trouvé l'endroit que nous cherchions. Je pense qu'on a trouvé le nid d'elfe. Nous sommes directement en dessous de l'arbre de l'elfe dormant. Le cœur de ces gros. Très bon tout seul. Alors, étant donné qu'on a dû utiliser des larbins d'eau pour y aller, je suppose que ça va être. Comment dire? Ouais, je vois ça. Ça va être aquatique, n'est-ce pas? C'est ce que je redoutais. J'ai l'impression que tous les jeux vidéo se sont mis la donne. Hein. Les niveaux d'eau, vous oubliez, c'est le credo, c'est ça? Voilà, j'ai déjà une unité morte, et mes bleus n'ont absolument pas fait le boulot qu'ils étaient prévus de faire, c'est-à-dire récupérer les cadavres. Trésor.
Pour les mecs! Pour les mecs! Virez! Allez-y tout le monde. Ils sont distraits. J'arrive. 25. Tout se passe bien. Oberon ne semble pas vouloir que nous allions par ici. Raison de plus pour le... Je suis pas sûr que c'est pas lui, que c'est lui qui veut pas, ou si c'est juste parce que ses branches se sont mis là de façon totalement random. Alors quand ça fait ça, généralement c'est pas bon. Alors, où sont mes unités dissidentes? Non, c'est bon, elles sont revenues. Bon, récupérer des trucs là. Voyez, il récupère des petites photos. Voilà, et là il y a des. Là il y a des citrouilles ceux qui veulent, pour ceux qui veulent. Personne ne veut. Ouais c'est bon, vous avez récupéré du loot. Bon mes bras ont récupéré du gros loot là. Hein. Alors c'est quoi ici? C'est du brin, ça veut dire. Beware. It's the final countdown. C'est fait. Des bruns. Des bleus. Des rouges. Des verts. Des bleus. Suivez-moi. De l'or ici juste pour nous emmerder. Est-ce qu'ils savent qu'on viendra pas? Parce qu'ils se disent, mais, y a pas, mais ils auront pas d'armes. Allez, donnez-moi tout l'or. Tout l'or que vous trouvez. On vous souhaite tout l'or du monde et que quelqu'un vous tende la main. Hop. Tous! Alors, qu'est-ce qu'on avait? Ah, c'est vrai. On a le chemin par là, le chemin qui est obvious piège, mais du coup, ça m'intrigue. Butez-les! Désirez-vous des bros? Vous avez vu ça les gars? Vous avez vu ce qu'ils gardent ici? Oh, un objet. J'aime les objets. J'ai peur qu'ils s'attaquent à eux, donc... Non,
j'ai peur qu'en fait ils apparaissent au point de truc pour buter Malarvin afin qu'on n'ait pas cette nouvelle pierre de tour. Mais là normalement c'est bon. Là on l'a. Ouais, là c'est officiel, on l'a. Voilà. On peut se détendre. Qu'est-ce qu'on a eu? Votre mana a augmenté. C'est bien. Voilà, notre mana augmente. Si ça c'est un très bon, j'ai envie de dire, début. Alors, je vois de l'eau là. Il y a des coffres dedans. Non, c'est. Par contre, par là, ce chemin a l'air un peu. Comment? Obviously, diabolique. Ouais, détruisez ses racines, on sait jamais. Alors, on en était là. Il veut pas qu'on aille là, donc il va falloir qu'on dégomme cette racine. Donc je suppose que la clé de Sephiroth, c'est ça, quoi. Donc là, on continue. Là. Oh, moi je l'emmerde. Hein. Mon objectif, c'est que la racine, à la fin, elle m'en veuille. Alors, qu'est-ce qu'on a en bas? Par contre, oui, l'elfe, il était pété de thunes. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh. Cette couille qui brille. Qui pue tellement la niaque. Voilà, je te le disais. J'entends le craquement de la mort par ici. Alors. Des rouges. Des verts. Des bleus. Suivez-moi les bleus. Et surtout ne clignez pas des yeux. Alors expliquez-moi ce que ce verre fait là. Est-ce qu'il est coincé pour toujours du coup? Regardez, il est là, je sais pas ce qu'il fait là. On a aucune idée de comment il est arrivé là, mais voilà, du coup. Du coup on a un verre en moins. Ça arrive hein. Mais bon, normalement quand je sors de la grotte, il me suit hein. Ce qui est d'ailleurs très étrange. Ah merde, du coup, on est déjà allé par là ou pas? Ouais, par là c'est. Là donc on revient à la place des kobolds. Là ça s'est effacé. La sauvegarde auto c'est pas bon ça. Avec un accès pour retour à la tour. C'est jamais bon. Il y a des épées là, vous en voulez pas? Vous avez trouvé mieux? J'espère, parce que là on entre dans le vif du sujet comme disent les jeunes de maintenant.
Eh ben on est sorti. On avance, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est sorti, hein. On est. Oh là là! Oh, il est beau! C'est gros, ils sont gros. Hein. On va peut-être revenir avec plus de brins du coup. Bon, ce qu'on a, c'est du vert. Donc on va prendre le. On va s'occuper du. De toute façon, le vert, c'est des assassins. C'est pas comme les bleus et les rouges, ils sont pas si sensibles que ça à la douleur. Mais ils sont faibles. C'est pour ça qu'ils préfèrent la tactique. C'est pour ça, heureusement, on a des gros bras avec nous. Hein. Soutien. Tous choisis. Bon, on a perdu les verres. Mais tu les as envoyés au casse-pipe. Nya, 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 nya. J'ai rien fait du tout. C'est eux qui sont c'est eux qui sont cons. Par contre, j'ai remarqué tout à l'heure l'autre, il avait des gants à la Shredder. Vous savez, les gants avec des pics. Donc là, il est tout seul, on y va tous. Voilà, avant qu'il saute. Des bonnes armes parce que là je pense que ça va faire mal. Je sais pas où est-ce qu'on s'aventure. On a encore des rouges, ça c'est bizarre. Là les rouges. Ah oui, ils sont là les rouges. Temple de la déesse mère. Ça fait beaucoup de lieux qu'on visite. Vous avancez vers votre supplice, étranger. Nous sommes toujours vigilants, ayant juré de protéger les tombes de nos chers héros tombés au combat. Nous préservons leur repos jusqu'à leur réveil. Lorsqu'ils reconquerront notre royaume. C'est qui ça? On dirait bien que cette tombe est la clé de cet endroit. Vous pouvez remercier la stupidité des autres. Des intrus, des profanateurs, des infidèles. Arrêtez-vous ou j'arracherai la chair de votre squelette. Donc. Cette femme est une autre espèce d'overlord. Ok, ça sent jamais bon quand il te demande de prendre du bleu. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autre choix que de se balader avec ce qu'on a. Hein. Ok. Let's go.
choisis tous. Faites demi-tour, nous vous surveillons. Attention, ils attaquent tout ce qu'ils voient. Assurez-vous de rester invisible. Et je me suis fait tuer par des putains d'elfes fantômes. Ah là là. Bon, ben je pense qu'on retournera dans cet endroit au prochain épisode, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil.